Jo. Stream tôt. Stream tôt. Parce que ce soir j'ai un truc, je viens de l'apprendre. Gros, c'est nouveau du buvage de bière avec des potes, hein, mais. Ouh! Swingy! Donc ouais, faudra que je me casse à peu près vers 20h30, au moment où normalement je commence les streams. Mais bon, comme ça je pourrais quand même en faire un ce soir, même si c'est beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc ouais, légèrement moins d'une heure. Essayez d'avancer un petit peu dans ce Ocarina of Time Randomizer. La musique là, c'est une musique de Super Mario Bros. 2 par Tim Deman. Et salut Seiko. Et pendant que je mets en place le corrupteur, que j'utilise comme émulateur normal encore une fois, je vais laisser la musique parce qu'honnêtement elle est hyper stylée. Donc encore une fois par Tim Deman. VGM, donc Video Game Music, je pense. Arrangements and Improv. Ah, mais du ragtime quoi, moi j'adore ça. Puis ma Romelle est là, juste à attendre. Bon, ça va. Parfait. Magnifique. Let's go. Ocarina of Time. Je suis encore pas mort. Par contraste à ma dernière run de Link to the Past, oui. Ok, ça c'est dérangeant. Hotkeys, non. Le rewind, ça tu... Nope. Fast forward, ça risque de foutre la merde aussi, on l'enlève. Sinon, ouais, ça m'a l'air tout bon. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Je ne me souviens pas. Donc, je sais que je peux... Est-ce que j'ai fait le temple du feu? Je sais plus. Je vais faire Jabou. Mais c'est bien, c'est cool. Moi, la musique classique, j'aime bien, mais... À part à très rares occasions, en général j'en écoute pas parce que bon, je suis très rock. Mais c'est pas quelque chose que je trouve chiant ou ridicule quoi. C'est juste que je trouve, et je pense beaucoup de monde aussi, je trouve mou. Et ça, j'ai découvert relativement récemment pourquoi je trouve mou. C'est à cause du... Ouh, joli pied, Link. À cause du manque de... De percussion. Il y a très peu de percussion en général dans un orchestre symphonique. Enfin bon, je veux dire, ils ont des timbales et puis des cymbales. De temps en temps, mais rarement, des tambours et des trucs comme ça. Mais justement, par rapport à la musique populaire, il y a vraiment extrêmement peu, quoi. Est-ce que j'ai une écaille? J'ai une écaille. J'ai rien à foutre là. Je peux directement aller au Domaine Zora par ici. Mais oui, mais c'est très bien Vomito Kotzman. C'est le nom de mon bassiste sur notre groupe Facebook des potes. Qui viendra aussi ce soir, mais... Évidemment, je serai le premier arrivé parce que j'ai des bus de merde. Alors, le rap... Ça m'a pris longtemps, hein, mais je le tolère. Je trouve qu'il y a rien d'intéressant musicalement, mais poétiquement, pour les bons, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, donc c'est quelque chose que je tolère. Pareil aussi, le problème que j'ai avec la musique variété française, je trouve que c'est pas intéressant musicalement, quoi. Donc du coup, ça me touche pas plus que ça. Mais le rap, je veux pas vomir sur quelqu'un parce qu'il aime le rap. Je vais vomir sur quelqu'un parce qu'il aime que le rap. J'avoue, je l'ai déjà ouvert, c'est bon. Pas besoin de récupérer un poisson. Tout ça, c'est fait.
Est-ce que j'ai une fée? Je pense que je dois avoir des fées. J'ai une fée. Parfait. Ouais, je pense que pour la musique, il faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit, mais après, effectivement, chacun ses goûts. Ouais, mais justement, ça, c'est sûr, il y a absolument rien à récupérer, mais je prends par exemple celui que je connais le mieux, c'est-à-dire extrêmement peu, c'est Eminem. Je vais pas en écouter pour moi, je trouve ça chiant, mais je salue la prouesse. Il écrit très bien les paroles. Pareil aussi pour... comment il s'appelle déjà? Une deux fois j'avais joué ces musiques mélangées avec le thème de Tom à la locomotive là. Biggie Smalls. Ça va aussi. Je vais clairement pas en écouter pour moi. Mais je tolère, voilà. PNL, je vois pas ce que c'est. Booba, c'est de la merde. Ouais. Et toi, Vanguard? Ça va? Là-bas, je peux encore pas y aller. On va aller là. Ça va. Alors, est-ce que je peux déjà faire des choses? Oh bon, toi tu vas te faire foutre. Est-ce que je peux déjà faire des choses là-bas, étant donné que j'ai déjà le boomerang? Link to the Past Master Quest, alors ça je connais pas. J'avais vu Scott faire du... Bon, c'était complètement ROM hack aussi, hein. Link's Awakening Master Quest. Ça avait l'air bien foutu, je sais pas pourquoi je récupère ce rubis, je fais que perdre du temps, encore une fois, faut que je me casse. D'ici 3 quarts d'heure. Pas mal. C'est quoi exactement qui a changé? Du layout et puis des choses comme ça. Je pense layout ennemi plus puissant. Classique des ROM hack Master Quest, quoi. Tu nous prépares en comment, chicken hack là-dessus? Hey hey! D'accord, j'ai rien à foutre ici, je me casse. Les ennemis changent, les chemins dans les donjons aussi, ok. Ça doit être intéressant, très bien. Oh, à quoi ça... Ça peut potentiellement ressembler. Je sais plus dans quel trou il faut tomber. Je crois que c'est celui-là, mais je suis pas sûr. Non, c'était pas celui-là. Pendant que j'y suis. Non, d'abord, je vais me rasser deux. Histoire d'avoir la paix. Et maintenant. Les sculptums lambs. Ah. Ouais. La deuxième j'apprendrai plus tard. Il faut que je remonte et que j'arrive à trouver bien quel trou ça doit être. Ok, ça en est dans un bord. Un bord vers là, en gros. Encore une fois pour les gens qui débarqueraient. On n'a pas changé d'heure en mode été plus. Juste que j'ai des trucs à foutre ce soir. Mais j'avais quand même envie de streamer. Et non, je viens de l'enlever là. Là. Je viens d'enlever la fonction juste avant de démarrer le stream. Elle existe encore mais je l'ai décoché. C'est super bien foutu d'ailleurs les fonctions avec ce bot. Le seul truc pénible, c'est que ça doit être un programme qui est constamment ouvert. Ah.
Encore une sculpture d'or, mais il y en a pété dans ce donjon, c'est incroyable. Oh bon, va te faire foutre, t'as 1000 points de vie. Oui, j'étais en plein dessus, mais... Non, j'y ai pensé. C'était la dernière fois que j'avais fait un multi dans le style. J'avais oublié de l'enlever pendant bien quelques jours, bien quelques streams après. Mais ça, vous vous en étiez pas rendu compte. Oui! Non, mais juste à cause de cette bulle de merde. Pas encore là, ça je sais pas. Bon, ça fait quand même un moment que tu viens ici. C'est-à-dire la dernière run en multi que j'avais faite, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était avec Vanguard aussi. Peut-être il y a quoi, un mois? RIP! Ah ouais, clairement. Voilà ma petite plateforme. Quel jeu? Ah, c'était aussi sur Link to the Past Random. Non, cette fonction, ça fait un moment que je l'ai. Non, c'est où celle-là, je crois. Je crois que j'ai dû l'utiliser deux ou trois fois avec... Non, avec Vanguard, et puis avant ça, une ou deux fois aussi avec Scott. Ah non, sur celui-là, il faut qu'on soit les deux. Mais prends-la, Link. Merci. Voilà. Allez, mon petit... ma petite raie. Après, ça me donne un coffre ici, je crois. Ah ouais, ça, je m'en souviens. Tiens, la base était chez Scott. Et ouais, Link Between Worlds, ouais, ça fait un petit moment, quand même. Scott, encore une fois, quoi, on se connaît IRL, mais on s'était rencontré ici sur Twitch. C'est quand il avait débarqué une fois sur Swig pendant que j'étais en train de streamer un des Zelda Oracle. Cool, je suis venu ici pour rien. Là, c'est toujours fermé, évidemment. Alors, bon miam miam à toi. Et à toutes, si tu reviens avant... Je sais pas trop quelle heure. Ouais, avant et demi. Il faut que je me casse à et demi. Un peu après. 35. J'ai mon bus à 46, je crois. Ça me prend 2 minutes pour aller à l'arrêt de bus depuis chez moi, donc ça. J'ai du bol de ce côté-là. Donc, je devrais attendre quoi, à peu près quart d'heure. Attendant que mes potes arrivent. C'est sale d'un Master Quest, c'est tellement un affreux mystère.
c'est stylé ça. Ouais, les arrêts de bus proches, c'est tellement bien. Dans la mesure où tu prends le bus. Éthiquement, les transports publics en Suisse, je devrais les boycotter parce que c'est ridiculement cher et puis il y a tout le temps des retards. Mais enfin, les retards, ça va. Au moins, ils font pas des grèves, mais bon, la grève, ça fait pas partie de... J'avais envie de dire notre identité nationale, mais non, ça c'est un peu trop méchant. Non, ça fait juste pas partie de notre culture. Et salut Murdoch! Tu vas bien? J'ai vu avant, toi t'es en train de streamer. Ça jouxte. Un ticket à 1,20€. La vache, chez nous, on approche de 1 balle. De 3 balles, putain. 3 francs suisses. Je sais pas exactement quel cours du franc suisse, mais... C'est chaud. Et encore, ça c'est pour une zone, et puis une zone, c'est vraiment tout petit. C'est pour le canton, et puis les quelques... Non, la ville principale, là, Fribourg. Et quelques bleds autour. La, entre guillemets, banlieue. Même si c'est pas la banlieue... Dans le sens avec les jeunes qui font des conneries, en général, à part en deux quartiers. Trop beau alors. Ah, oh, c'est GG. T'inquiète pour ici aussi, c'est beaucoup neuf. J'ai fini tout ce qu'il y avait à faire ici. Non. Maintenant au milieu, c'est bon, je peux y aller. Que vous parlez, là, c'est du prix des transports publics. Je disais qu'en Suisse, c'est complètement ridicule à quel point c'est cher. Après, ouais, c'est assez propre, bien foutu, etc. Et puis relativement peu de retard, mais... 3 balles pour ton ticket qui dure que 1 heure, d'ailleurs. Il est valable que 1 heure, il me semble. Oh, mais c'est ridicule. 2,20€. Moi, je disais, là, on arrive bientôt à 3 francs suisses. Pour un ticket. Est-ce que j'ai tout fait là dans la zone? Ouais. Ticket pour la semaine, le mois. Je crois que nous on avait, mais ça a été arrêté. Je sais pas pourquoi. Mais... Ah, peut-être parce que c'est des énormes trous du cul. Je sais pas dans lequel il faut que je tombe. Je crois que c'est là où elle était. Ouais. Oui, c'était gratuit, mais putain, si on arrivait à faire un système de transport public gratuit. Ah, ce serait tellement la vie. Alors, bon stream à toi, Murdoch. Et merci d'être passé. Alors, 2 secondes, je prends ma drogue. Ah, oui, de l'héroïne. Oh là là! Je crois que ma technique pour le buter rapidement, c'était de me faire choper. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Non, mais retourne-toi, fais pas chier. Ah, merde.
Mais... Ah, plus proche du... Non, oh, il fait chier. Oh, je suis déçu. Voilà. Attends-toi. Hop. Voilà. Ouais, vraiment, la même... la meilleure façon, c'est se faire toucher, il se retourne et puis on le chope. Voilà. Une carte à l'année qui coûte rien. Ok. Pas besoin d'une deuxième fée. Voilà, c'est tout. C'est déjà quoi les objets que je disais dont j'avais absolument besoin pour pouvoir terminer la run? Flèche de lumière, hein, il me semble que c'était basiquement ça. Éventuellement les bottes. Les différentes bottes. Si je dois faire... Oh merde, celui-là faut la veille d'abord. Donc ouais, éventuellement les bots si je dois faire les mini-temples. Allez, on avance là. Flying pied de porc. Je crois que je sais qui c'est. Tu vas bien? Ouais, ça va tranquille. Normalement, je stream pas aussitôt, tu sauras. Jusqu'après, je vais pratiquer le buvage de verre. Avec des amis. Oh, il faut que je prenne une des caisses. Donc, du coup, j'arrête d'ici une trentaine de minutes. Mais en attendant... Je joue à ce fantastique jeu. Et salut Clono! Mais ouais, c'est clairement de la chance quoi. Flying pied de porc, on est d'accord. Bon, toi, tu prends pas vraiment le. Tu prends pas vraiment les transports publics en général, t'es en bagnole. Mais... Mais le prix du bus et des trains, c'est complètement débile chez nous. Je peux monter là, est-ce qu'il y a des conneries? Non, c'est bon. T'as l'AG? Oh putain, c'est tellement génial. C'est Alex aussi qui a l'AG. Je suis complètement jaloux. Il est où, Gregre? Ah, il est là. $0.30! Fait que t'habites où? $250 par mois pour l'AG, ouais, tu m'étonnes, ça c'est ridicule. Bon, tu te balades où tu veux en Suisse avec basiquement n'importe quoi, mais... Ouais, comme ça. Mais il faut que ça en vaille la peine. Et pour que ça en vaille la peine, c'est assez chaud. Non, oh, mais Lung, s'il te plaît! Tombe! Tombe! Seulement, c'était vrai. Ah, en plus, tu mens. D'accord. Ouais, alors, je joue n'importe comment, tout va bien. J'ai les doigts qui mongolisent. Pour changer. Ouais, bien, ouais.
Il est tellement crade ce boss. J'aime bien. Ah, il est revenu. Non, fous-moi la paix. Voilà. Oh zut, je me prends des dégâts. Oh. Voilà, faut juste attendre qu'il se calme. 5 balles. D'habitude genre à... je sais pas, Monaco. Que ce soit aussi ridiculement cher. Non, vise, 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 vise. D'accord, il a pas voulu. Attends. Ah. Attends, c'est bon. Ouais, en même temps, les SDF, s'ils prennent le bus, de toute façon, ils payent pas parce qu'ils ont absolument rien à perdre. Je dis ça d'une manière presque admirative. Hein. Voilà, easy. Maintenant, il a plein de tumeurs. Et y a plus. Et qu'est-ce que j'obtiens ? Est-ce que ça va m'aider dans ma quête ? Bon, ça de toute façon pas. Bon, ça je m'y attendais. Mais ici, quel sera mon reward ? Au niveau des médaillons ou des trucs comme ça ? Je crois que j'ai tout chopé. Tous les coffres. Médaillon de la flotte, je crois que... Je vais quand même vite retourner dedans au cas où j'ai oublié quelque chose, mais... Médaillon de la flotte... ça va me permettre... En étant Link adulte... D'avoir la cutscene à Cocorico, puis avoir un nouveau champ, je crois. Ouais, aussi pour notamment Flying Pied de Porc et puis d'autres gens qui n'auraient pas l'habitude de voir un jeu en train de mongoliser à ce point. Ok, mais il n'y a pas... Je suis pas allé dans cette salle, mais elle sert à rien. Il n'y a pas de coffre dedans, sinon je le verrai. C'est bon. Il doit juste y avoir une sculpture là, mais du coup, je m'en fous. Du coup, go. Donc je disais, c'est un randomizer. C'est-à-dire que l'emplacement de tous les objets a été modifié. La run est finissable avec normalement aucun glitch. Et pour les gens qui ont beaucoup trop joué au jeu, qui ont envie de le redécouvrir sous un autre angle, ça c'est juste parfait. Donc du coup, faut faire tous les donjons dans le désordre, et puis complètement improviser selon les objets qu'on obtient. Mais il faut quand même très bien connaître le jeu à la base. Avant de... Ouh, il était nul. Avant de... J'ai y aller à patte. Avant d'essayer... Donc, ouais, pour Ocarina of Time, je dirais au moins l'avoir terminé 5 fois en tout pour bien connaître l'emplacement des différents trucs. Après, au cas où on est bloqué, il y a
un petit fichier texte qui nous dit l'emplacement des... Enfin, comment ça a été généré. Et où sont les différents objets. Au cas où on est vraiment bloqué, donc ça aussi, c'est... ça aide. Je sais plus si pour cette run... Oui, j'ai déjà dû regarder une fois, je crois, dans le spoiler log. Pour 6€, tu fais Fribourg-Montreux. Tu veux dire l'équivalent par chez toi, ou bien... Parce que chez nous, pas du tout. Chez nous, attends, Fribourg-Lausanne... C'était... Je sais plus, 20 balles. Puis après, si tu veux encore aller à Montreux, c'est encore pire. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. C'est le bon champ. Il m'apprend le bon champ. C'est parfait. Est-ce que j'ai le champ des tempêtes? Je m'en souviens plus. Je crois pas. Non. Je peux pas faire ce truc-là. Qu'est-ce que je peux faire encore pendant un peu plus de quart d'heure? Parce que lui va me gueuler. J'ai pas envie de faire. Oh, je pourrais. La course contre Igor, la deuxième. Celle où il faut faire en moins d'une minute. D'accord, je vois. L'équivalent en kilomètres chez toi, d'accord. Ouais, non, alors nous, ce serait plus proche des. Mais même pas en fait, parce que je payais ça autour des 20-25 balles. C'est quand j'avais le demi-tarif. Je crois, attends, je vais vite regarder parce que ça. Ça me titille. De Fribourg. Oui, Fribourg-Freiburg à. D'abord Lausanne. Juste Lausanne. Non, ok, c'était. C'est 12,50 en demi-tarif. 12,50 en demi-tarif. Et du coup, vers Montreux. Ah non, bah du coup le double, parce que ça aussi... D'ailleurs ça c'est un truc dégueu là sur le site des CFF, donc l'équivalent de la SNCF chez les Français. C'est que quand ils regardent les prix, ils disent à partir de, bah là, 16 francs, c'est si t'as le demi-tarif. C'est des gros trous du cul, ils mettent pas, entre guillemets, le vrai prix directement. Ils sont 51, ah bah, je vais pouvoir avoir le dernier reward, c'est parfait. Mais ouais, donc... Quoi, 32 balles? Ça, c'est nul. Est-ce que j'ai causé à tous les autres? Il me semble... Puis celui du milieu, il va se faire foutre, parce que... Parce qu'il sert à rien. Alors, ces rewards, ça fait... C'est le seul truc pas cher en France. Essaye d'acheter des aliments à Genève. Ici à Fribourg, ça va, les prix, enfin, c'est des prix suisses, mais... Putain, à Genève, la même chose. Le McDo, c'est le double du prix, il me semble. Un truc comme ça, c'est horrible. Pensez au pouvoir d'achat, c'est vrai toi, Flying Pied de Porc, toi tu fais ton master en business. Donc oui, je le connais IRL. Hein. Un pote avec qui je fais de la musique. Au cas où vous vous posez la question. Ah, c'est loupé. Mais donc ça fait plaisir de voir que t'as pu... T'es décidé sur un pseudo. C'est dommage, t'es pas pu prendre Turbo Jambon. C'est quoi, l'autre soir, on était allé boire des... boire des verres. Et puis on essayait de trouver un super... c'est où? Non, c'est de l'autre côté. Ouais, bon. On attend.
On devait lui trouver un pseudo du style Turbo Jambon. Ou un truc comme ça, Flying Pied de Porc, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Nitro Bacon. Puis ouais, c'est vrai que Flying Pied de Porc, c'était clairement des meilleurs. Aussi, si... Oh, si vous vous dites que mon Link il fait des directions complètement débiles, c'est parce que j'utilise un véritable stick de Nintendo 64. Toujours. Non, c'est pas là, mais non, alors Flying Pied de Porc, je sais plus. Je sais plus si t'as une religion. Ouais, bon, là c'est vite. Marc, je suis pas loin. Je suis clairement pas loin quoi. Oh, deux secondes quoi. J'ai pas besoin de prendre son truc. Il y en a 500 grammes. Moi je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai pu racheter une pièce de viande. Je recommence vite fait. Salut Coco. Tu vas bien? Boudin Formule 1, c'est vrai que c'était bien aussi. Oh GG. J'ai juste continué à tryhard ce machin. Encore une fois, il va falloir que je me casse vers ennemi. Aïe! Bonne soirée ma gueule. Et à bientôt. Faut clairement qu'on se fasse une jam bientôt. Je regarderai avec Luca. Ah. Le stream de 1 heure. Ouais, un peu moins, 45 minutes. Ok, là si je fais pas n'importe quoi. Ouais, easy. Easy, ma gueule. Ah, oh, ouais. Ah, oh, c'est comme ça qu'on réussit. Non? J'ai déjà eu son deuxième reward? Ou alors il y en a pas? Bon, bah, dommage. Chier. Ah, ouais, j'ai commencé vers 19h40. Ce soir j'ai un truc, donc ouais, j'ai fait un stream quand même, mais mini stream plutôt que d'habitude. Donc si quelqu'un a envie de faire un stream après, il est le bienvenu. Ça j'ai fait. C'est en dessous de 55. Il me semblait que c'était en dessous d'une minute. Mais j'ai pas envie de refaire, donc j'ai trouvé autre chose. Est-ce que j'ai le chant des ponards? Je crois pas que j'ai le chant des ponards. Non, c'est le deuxième. Zelda, Asaria, Sun, qu'est-ce que je peux faire? Il y a beaucoup de choses que j'oublie, Clono, j'ai vraiment un problème de mémoire. Nocturne de l'ombre, j'ai eu. Caverne de glace, je peux. Est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Bon, de toute façon, maintenant pas, j'ai à peu près une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'elle faisable? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez des idées d'endroits que je peux faire qui n'est pas démarré en temple? Oh, je peux faire ça. Ouais, je peux carrément faire ça. J'ai continué la quête de Bigoron. Ah, 4 de Bigoron en fait, là, avec les timers sans le cheval. Est-ce faisable? Est-ce que vous savez si c'est faisable, la quête de Bigoron sans le cheval?
Bon, dans le doute, je fais en tout cas ce... cet objet-là. Lui, il va me donner je sais plus quoi, mais il me semble pas que ce soit timé. Oh, faut pas... Ah. Il donne un truc pour le roi Zora, je crois. Essaye de te faire long, hein. Essaye de te faire malon, moi j'aimerais bien. Waifu, mon gars. J'ai pas du tout dans le bon sens. Mais ouais, Starlink. J'aimerais bien essayer. Faisable, mais chaud, ok. Il est sur quoi comme plateforme Starlink? Bon, de toute façon, il est sur, sur Switch, ça c'est sûr, mais il est aussi sur autre chose, c'est juste qu'il n'y a pas Fox et sa clique, il y a juste les personnages pas intéressants qu'il y a à côté. J'ai vu des extraits, j'ai vu un stream de Vinesauce dessus. Il a l'air vraiment cool. Ouais, c'est de toute façon, si j'ai des timers ou des trucs comme ça, mais bon, maintenant là, je me dis, il me reste une dizaine de minutes à streamer. Là pour l'instant c'est bon, d'ailleurs je vais juste vite contrôler 20-46, ouais, donc si j'arrête 10 minutes avant ça va faire Switch, Xbox et PS4, mais ils sont tellement chiants de pas sortir ces jeux sur PC alors que c'est objectivement la meilleure console au monde. Pas trop mal, ouais, mais ils sont quand même pas... Enfin, honnêtement, la seule chose qui me donne envie de jouer à ce jeu, c'est les persos de Star Fox, hein, je vais pas mentir. Alors, chef des ouvriers, ma gueule. Tiens, ça appartenait à ton fils. D'accord, ouais. J'ai la bonne tunique, je crois. Ouais. Du coup, je vais directement. Mais ouais, c'était hyperbolique, c'est vrai, quand j'ai dit les persos un peu nuls du jeu de base. Marque une sorte de... Ah, ça je l'ai pas pris non plus. Une sorte d'entre guillemets RPG sci-fi. Et c'est pas ce que je voulais. Écouteur Breath of the Wild, la classe. Il est sur l'autre. Mais je l'ai pas déjà pris. Je l'ai pas déjà pris, on est d'accord. Putain, il me décale! Ouais, j'ai déjà dû le prendre. Wow. Nikon, ouais, alors honnêtement, entre Nikon et Canon, c'est juste une histoire de préférence. Moi, j'ai un Canon, il va très bien. Mais je te comprends sur le fait d'en vouloir un parce que ça vaut grave la peine, honnêtement. C'est. Un appareil photo réflexe. Déjà, c'est autre chose que prendre des photos avec un téléphone portable. C'est bien mieux. T'as beaucoup plus de réglages. Ouais, je peux que te le conseiller. Bah ouais, moi j'ai pris Canon parce que je suis plus Canon. Mais chacun ses goûts. Je voulais faire quoi ici ?
Ah, Bip Goron. Et là, il va me donner la, l'ordonnance. Et puis, ok. Mais c'est ça, hein, c'est trop con parce que. Ils font que augmenter les prix. Bon. Ah, la pêche, là, j'ai pas fait. Ah, mais je crois que je peux pas. Si je peux. Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai plus que 10 minutes, mais. Donc, ouais, juste que je termine ce que j'avais envie de dire. Donc, ouais, pour les bus, ils font que augmenter les prix parce que. Je sais pas, soit ils arrivent pas à payer leur personnel ou des trucs comme ça. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui prennent le bus, donc du coup, comme ils augmentent les prix, il y a moins de monde qui prennent le bus, alors que ouais, si baissaient les prix, plus de monde le prendrait, quoi. C'est... Ils sont pris dans une espèce de roue infernale qui... La gouille Zora. Avec G, hein. Ouais, ils sont pris dans une spirale infernale, puis avec un petit peu plus d'aide de l'État et puis un petit peu de couilles, ils pourraient très clairement faire des transports publics moins chers avec plus de monde qui vont dedans. Hein. Si ça valait vraiment beaucoup plus la peine à ce point de prendre... Je sais plus ce que je disais. Ouais, ça valait vraiment financièrement beaucoup plus la peine. De prendre le bus plutôt que d'utiliser son propre moyen de transport. Beaucoup plus de monde le ferait. Suisse est peaceful, mais du coup, la seconde guerre, Hitler a-t-il exterminé des juifs de Suisse? Je sais pas exactement comment ça s'est passé. Maintenant, je sais que... Je crois qu'on a... On avait gardé quelques juifs chez nous, on en avait caché quelques-uns. Après, on a plus ou moins blanchi l'argent de l'or juif que les nazis avaient récupéré. Et puis, on avait donné des munitions aux nazis et à leurs potes. Enfin, vendu évidemment, hein, parce que quand même en profit. Je vais pas faire ça maintenant. Ah, c'est peut-être rapidement fait. J'essaye. Voilà, pas de rumble. Oh c'est dommage. Je vais pas prendre le leurre lesté, je crois pas qu'il y a... Je vais essayer de choper. La... Pas la perche. L'anguille. Ouais, ça sent gros. Allez, viens. Yes! Ça passe, y'a pas le glitch. Ouais, nous on a dû apprendre une fois, mais forcément j'ai oublié. Honnêtement, savoir les conneries qu'ont fait mes ancêtres. Ça suffit, j'aurais dû lire ce qu'il avait à me dire. Mais il me semble que c'en était en gros. Après, effectivement, faut pas oublier l'histoire parce que sinon, on risque de faire les mêmes conneries, mais je me sens assez à l'abri. Ouais, c'est bon. Oh, le reward de merde. Navi, ta gueule. Juste ta gueule. Mais tu sais que c'était les Américains. Ils ont lâché une bombe sur un village qui s'appelle Morgin. Je crois que c'était les Américains.
Ils avaient lâché une bombe sur un village en Suisse, dans le Valais, qui s'appelle Morgin, détruisant ainsi l'église, puis pas mal de trucs. Parce qu'ils s'étaient trompés avec les coordonnées, puis ils étaient persuadés que c'était un truc allemand avec des nazis dedans. Du coup, après, ils se sont tout excusés, etc. Et Revanguard, je vais bientôt arrêter. D'ailleurs, Revanguard, si t'as envie de streamer après, comme moi, je me casse d'ici 5 minutes, c'est volontiers. Enfin, si quelqu'un a envie de streamer qui s'éclate, juste qu'il faudrait me dire, savoir qui je host. De toute façon, je laisserai faire le auto-host, mais... Pouvoir envoyer les gens mourir potentiellement chez toi. Lui va juste me donner... Je sais plus ce qu'il va me donner. Je vais vite essayer voir ce qu'il me donne quand je lui donne la quittance, je me souviens plus. Ouais, alors j'étais en train de te viser, mais c'est pas grave. Nom de bleu! Mais Link! Ah non, 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 il faut donner ça au roi Zora! Oh, mais quel con! Bon, de toute façon, alors je pourrais pas continuer. Parce que le roi Zora, il est encore gelé. Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la caverne? Caverne des glaces. Il me semble que oui, hein. Il me suffit d'avoir... Bah, de toute façon, je retourne en faisant exprès, mais après, je dis « Mori !» juste après, parce que... Pour ce rigolo. C'est juste pour ça, puis... Honnêtement, ça me gêne pas du tout de roter devant des gens. Je suis pas du tout gêné par ça, j'espère que vous non plus. Mais il me semble que j'ai juste besoin de pouvoir y aller, c'est-à-dire d'avoir la... le champ de Zelda, et puis avoir des bouteilles pour mettre du feu dedans. Il me semble que... Bon, puis aussi tous les autres items j'ai, je crois pas avoir besoin des flèches de feu. Encore moins des flèches de lumière, encore moins de ce machin. Et ça, c'est... L'œil de vérité, j'en aurais pas besoin non plus. Donc, prochaine fois, je pourrais faire la caverne de glace. C'est nickel. C'est parfait. C'est vraiment super. Du coup, ouais, comme ça, j'aurai le temps de me préparer. Donc, moi, je m'arrête là. Désolé pour le stream si... bah, tôt, et puis si... voilà, safe state au cas où. Et puis si court, mais ouais. Quand on a des trucs, je bricole avec ce que j'ai. Donc bon, ouais. Merci d'avoir regardé le stream. Et puis, passez une très bonne soirée. Allez voir Vanguard. Sinon, il y a aussi Murdoch qui est en train de streamer du Ark. Il y a aussi Kid Boga. Donc, vous avez bien le choix. Sokatoa, ça va bien, ouais. Donc, ouais. Lavez-vous les dents et regardez des streams. Notamment Vanguard. Allez, ciao. Et merci encore d'être venu.